Mesdames, Messieurs, la famille, tout un ami, frère, accès, compatriotes, moyo, et tout un collaborateur qui connecte tout partout dans le monde là, bonjour, bonsoir pour nous tous, qui j'en nous y est, c'est toujours ça, mais nous, frère, nous, merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous, tout gagnons pour l'autre, toute équipe là, avec nous, rencontrer. Yon l'autre fois, et n'a dit merci. Merci ou faites confiance pour capable informer ou. Merci pour fidélité ou ak patience ou. Et si c'est pour la première fois ou tombez sous channel ça, m'a souhaité ou bienvenue. Et sous remettre avec fête là, pas hésiter à abonner. Activer cloche notification pour capable toujours être informé. Je dis à c'est vendredi, n'a vive vendredi 2 décembre. Toute équipe là à la ronde badè, nous côté rentrer la caillou, nous porter pour toute nouvelle cap dominer actualité ya. Mais bien avant nous connecter avec ça nouvelle là, nous pral voyager garder pour nous qui ça journal le nouveliste publié pour jeudi vendredi ya. Négociation politique yo campé. Crise humanitaire avec sécurité dans pays ya a aggravé. Dollar américain instable a grimpé monté. Pendant ce temps, produits pétroliers jusqu'à présent pas disponibles dans plusieurs départements pays d'Haïti. Jacques Mel, l'homme d'affaires Jorel Carly libéré sous caution. L'ONU mandé pour yo capable attaquer inégalité qui gagnait dans lutte contre maladie sida mondiale. L'Espagne avec Japon qualifié. L'Allemagne éliminée dans une soirée de folie. Haïti a effondré. Eh bien, c'est ça, ambassadeur James Foley dit administration Joe Biden. Économiste Frédéric Gérald Chéry critiquait la gestion que le gouvernement a baillé prio et lui proposait réorganisation économie haïtienne. Sanctions que communauté internationale a baillé yo doit élargir sous d'autres secteurs. C'est ça que BSA li souhaite. Football amputé. Espinosa John signe un contrat pour la jouer dans le pays Turquie. Kata, l'Allemagne d'ailleurs li expulsé dans le mondial là. Gonaïve, trois responsables ministère éducation en bacode. Ça c'est quelques parmi titres que journal Le Nouveliste a publié pour jeudi vendredi. Mais moment arrivé côté nous pour connecter avec sa nouvelle là pour nous présenter au journal créole Mega Matin. Mega c'est Pigo réseau radio haïtien gagné sous la Tébéni avec sa nouvelle là information yo sous pays d'Haïti. Écoutez Radio Mega Go Radio 1, li fait 5. 5h du matin, démarrez journée avec Mega Matin. Vous connaissez tout ce qui a passé dans la province, dans tout votre prince, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Mega Matin, journal créole Radio Mega, côté vérité son priorité. Mega Matin, 5h, 7h du matin, nous baillons plus d'informations que tout l'autre côté. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Mega Matin. Premier journal Radio Mega qui passe sur réseau Radio Mega dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride, là, dans États-Unis. Dernier sorti journal Mega Matin, c'est Kounia Santène, Radio Mega, je veux dire, c'est vendredi 2 décembre 2022. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est toujours avec même plaisir, même fougla, même détermination, pour ne pas bouter par notre tranche information si là. Bonjour, bonsoir avec Marcel Joseph, qui a fait travail technique pour nous en Haïti, San Pablo, on l'a trié, collaborateur de Miami. Bonjour, bonsoir Jean-Willer Sévère, bon vendredi et bon week-end, messieurs. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir tout le monde, bon week-end. Quel point
Comment l'abgé pour nous développer dans le journal là pour matin, vendredi d'ici là, la police dans la Tibonite annonce arrestation 15 individus qui fait partie en base à Kirele, bouteille, dans la commune Liancourt. Messieurs Sayo, c'est allié base à Grand Griffe dans Savien, selon communication de la police là, qui fait qu'on est bandit dans Galavi Boukounia, pendant que l'Aptan pour capable voir devant autorité et judiciaire. Malgré l'assassinat directeur académie police en bandit, toujours qu'un chauffeur là qui s'emploie civil, le PNH là, bandit exige $1 million pour libération li. Selon Madame Ni Hermite Deliska qui t'est parlé à l'agence radiographie. Assassinat Rigo Ariton, c'est une parmi plusieurs cas assassinat planifié qu'à privé dans le pays. Selon directeur exécutif défenseur plus tard, Antonin Montimé. Devant ce gouvernement critiqué, recommandant la police, il dit qu'il passe jamais prend aucune disposition pour sécuriser zone académie qui s'est caille policier. Puis le défenseur plus dit enregistré 5 jusqu'à 9 mounes qui mourent chaque jour dans Port-au-Prince sous 11 derniers. Moi, ça y est, pendant autorité aurait été bouche fermée. Une situation qui a arrangé gouvernement transition, ça a quitté pouvoir faire plus temps sous pouvoir. Si nous deux croyons ton allemand, non, dernier alerte, niveau 4, département d'État américain, mandé tout américain, pas voyager en Haïti à cause assassinat à kidnapping captain et mandat dans le pays ici là. Américain qui en Haïti, yo, doit quitter le pays à Kounia. Pagé pour petit temps pour entrer la caillou. Jacques Joël Kaoli, la police était arrêté samedi passé pour détention, zami légal, jeune libération hier soir dans la ville Jacques Mel. Après été fin passé devant tribunal première instance dans la ville là, en pile fois mis amis avec partisans, l'homme d'affaires Tevin accueillir qui quand même pour le payer 3 millions de caution d'après information. Aïe, jeudi, c'était journée mondiale contre question virus sida qui a célébré en Anessa en baptême. Poussons vers l'égalité. Pour marquer date ça, une cérémonie était organisée dans l'hôtel Montana en présence du Premier ministre Ariel Henry, qui a appelé l'autre personnalité dans le gouvernement. Chef gouvernement a fait qu'on ait 54 000 personnes alors qu'ils vivent avec maladie ça en Haïti. Selon Ariel Henry, là, lui-même qui dit le compte souci pour partenaires internationaux pour éliminer maladie ça à travers le monde à Haïti. Demain samedi 3 décembre, c'est la journée par mon handicapé. On a occasion solidarité mon handicapé. On a planté piquet devant ministère affaires sociales, il dit qu'il n'y a jamais eu accompagnement qui était disponible pour eux. Protestataires, ils voulaient un pinga, le gouvernement capable pour continuer à rouler dans la farine. Autorité dans le cap haïtien prend disposition pour combattre marché noir dans le commerce gaz dans le nord pays. La police autorisée pour arrêter tout le monde qui a vendu gaz illicite. Les délégués départementales noirs, puis Augustin de Gaulle, lui-même, a garanti TPTC disposé, passer maintenant en route Grand Gilles, l'a quitté un handicap pour camion gaz. Je rive dans nos pays. Pour essayer à cas divers, l'autre après fait essentiel dans le cadre de dernier paraître journal Méga Maté pour semaine, non, mais pour bon matin vendredi, qui c'est 2 décembre 2022. Nous avons pour l'ouvrir journal avec rubrique 4 traversées. Nous pourrons connaître ce que nous sommes capables de traverser pour matin dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Nous avons pour nous faire même exercice dans diverses villes, provinces avec différents correspondants de l'unité pour nous capables de porter pour information. Nous prenons connaître matin qui côté nous prenons avec collaborateur Noab Dias Aristide pour qu'il se rubrique la prime en géo et nous prenons tout combien goutte n'a besoin pour un dollar américain selon BRH pour tout référence. Non. Et enfin, journal, nous prenons comment ça fait pour matin vendredi. Restez là, pas tout matin, bouton radio ou sous Radio Méga. Vous pouvez suivre Journal Méga Matin. Je ne peux dire là, dans Journal Méga Matin, c'est nouvelle nombaille, nous retournons dans quelques secondes. Jean nous a annoncé dans le titre journal 1, dans une dernière lettre niveau 4, département d'État américain mandé avec citoyens américains pour ne pas rentrer en Haïti, pour ne pas mettre en Haïti pendant la période ça là à cause de la question de la vague assassinat, avec le kidnapping qui a fait captaille mandat en PA surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Citoyens américains qui en Haïti eux-mêmes doivent quitter le pays en Kounia, pas printemps, qui donc se dégage au commerce Jean-Jacques pour quitter le pays pour entrer la caillou. Pas de petit temps, même dans la cause de ça, employé ambassade États-Unis doit éviter ce qu'il est dans Port-au-Prince et utiliser machine officielle pour aller à l'aéroport. Donc, ça c'est un dit consigne ou bien demande qui fait bon côté département d'État américain pour citoyens américains liés pour vraiment pas trop ce qu'il est, bien pas entrer en Haïti pour éviter que yo victime en bas action bandit dernier temps ça yo cap quand j'arrête chaque jour occupé. C'est pas de rappeler que
Mais récemment, l'intégré déclaration, Justine Kola Noël, qui lui-même t'a parlé concernant JILAP, dans quatre cas, un rapport qui a été réalisé sorti mois janvier pour arriver et septembre, il a parlé de 863 moun qui victimes de violence. Et 760, combien là dans yo, c'est moun qui mourit en babal. Et c'est de moun qui mourit dans Jean Pétionville, Port-au-Prince, Delma, Cité Soleil, c'est Peigné, c'est parmi côté en pile dans moun qui sont victimes Zach violence yo, selon ça qui était dit bon côté, Justin Ecola, qui est même c'est responsable CGI là, qui était avant-hier, qui était gagné là, il y a un extra avec les dans journal Megamat. Et qui donc, situation sécurité, hein, Zach criminalité yo, Zach fait kidnapping non, la prangère chaque jour dans la société. Nous avons poursuivi avec information toujours un dossier sécurité. Il y a 15 membres, environ 15 membres, gang gros bouteilles qui arrêté dans Liancourt. Environ une quinzaine d'individus armés qui fait partie du groupe gang dénommé gros bouteilles qui ont appropié dans Liancourt. Dans la vallée de la Tibonite, arrêté hier jeudi 1er décembre. C'est commissaire police, juridiction Saint-Macla, Mathias Jean-David qui confirme l'information. Selon la police, bandits a été appelé pendant l'opération, la police a terminé dans la zone sa suite à renseignement qui a été recueilli sous ensemble de mauvais actes. Groupe Nexayo commettre sous habitat. La police a présenté individu ça comme proche gang griffle qui depuis ça vient. Première section communale Petite Rivière a terrorisé toute la vallée la Tibonite. Dans l'Yoko, individu qui a été servi indicateur pour malfrats ça vient. D'après ça, un commissaire a souligné après arrestation, un individu s'est transféré dans la garde à vue commissariat Saint-Macla en attendant suite judiciaire. Nous avons toujours été dans la question de la criminalité en deux pays. Après Negaxam, fin tout la fois passé, avant de passer à là, le commissaire divisionnaire, le responsable Académie Police qui s'est arrêté Rigo, pas oublier ça. Les bandits ont été assassinés et le commissaire là, mais dans la machine, le commissaire là a un chauffeur qui était avec lui. Les bandits ont été allés avec le chauffeur qui a kidnappé le chauffeur. Mais situation ça qui est beaucoup capable de tourner dans la normalité li, parce que la libération chauffeur ça qui pour arriver faite, et bandits qui m'a dit nous sommes l'agent. Negame qui était qui enlevé là, chauffeur, directeur Académie Police, qui c'est Rigo Ariton, après, il était fini assassiné la fois passée. Mais bandit a exigé 1 million de dollars américains pour libérer otage là, pour libérer et chauffeur. Mais madame victime, non, mais madame chauffeur, ça qui c'est Hermita Deliska, dans le cadre d'une interview qu'elle débat avec Média en ligne radiographie. Hier jeudi 1er décembre, non, on a rappelé que l'IFE connaît que Marie Love Fatal, les parents employé civil la police, non, les parents employés civil la police, et un métier de l'ISCA a rappelé que eh bien, il n'est pas capable de collecter, pas capable de rassembler quantité de l'argent que Bandi a demandé, qui c'est 1 million de dollars américains pour libérer et Maril, puisque selon Hermite Deliska, il fait qu'on est, mais il y a deux petits mouns qui ont gagné 9 l'année, un autre qui gagne 3 l'année, à cause de l'argent, ces mouns ne sont pas capables de franchir l'école, alors que je dis là, Bandi a demandé 1 million de dollars pour libérer Maril, qui c'est l'œuvre fatal. Depuis que Neg Axam t'es fini assassiné commissaire divisionnaire Rigo Ariton et puis aller avec Maril qui était dans la machine, non? Mais depuis samedi que t'es 26, hein, après Zach assassiné, ça a été fini tendé et ravissé, yo, il n'y a pas jamais de nouvelles, il n'y a pas jamais de nouvelles pour connaître comment Maril lui-même lié selon ça, mais Hermite Deliska accordé avec Média Radiographie, dans quatre interviews ensemble avec lui. N'après rappelé, j'ai dédié là, Sénada qui était 25 novembre 2022, hein, pas trop loin Académie Police, hein, que Negaxam t'es assassiné, bien, et commissaire divisionnaire, responsable Académie, hein, qui sait, bien, qui sait exactement Ariton Rigo, et yon assassinat en plus qui vient longer l'issue policier qui a victime dans la police non et ça qui dérange ou comme la police après nouvel assassinat ici là et on a rappelé tout gagné un dit responsable dans Singapour en songe qui parlait pour sortir mois janvier pour arriver à date c'est déjà gagné alors bon les dit déjà sauf pour me dire que parce que il n'y a pas écarté possibilité que des victimes des policiers bon, ça a comptabilisé exactement mais pendant que yo pas de ces quatre policiers, ils ont recensé, ils ont enregistré qui mourit en babal bandit, selon responsable Sinapoa, Lionel Lazare, qui c'est responsable. Et ça fait dans ce sens, il demandait avec autorité policière pour qu'ils prennent toute disposition pour empêcher que les policiers eux-mêmes continuent par continuer victimes en bas, mais
bandits qui a opéré dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Nous avons toujours été sous dossier sécurité, il y a 5 jusqu'à 9 personnes qui mourent chaque jour dans Port-au-Prince. Sous 11 derniers mois, selon Défenseur Plus, un pile de Kassayo semble être coupé avec exécution, assassinat planifié, d'après le directeur exécutif Défenseur Plus, Anton Almortimé, qui prend comme exemple assassinat directeur Académie Police, là. Défenseur d'homme en question négligé. Urgence grave pour zone au côté même cadavre qu'a formé policier a tombé en bas balbandien côté Anton Almortimé dans micro Jean-Philippe Marseille. Nous toujours comptabilisé gagner entre 5 à 9 mounes par jour qui mourent dans Port-au-Prince depuis janvier jusqu'à jeudi 1er décembre. Ça veut dire pendant 11 derniers mois chaque jour qui joue ou gagne entre 5 à 9 personnes qui assassinés, au moins ça nous comptabilise. Pour nous-mêmes, assassinat ça, gain là-dedans, c'est des règlements de compte, gain là-dedans qui semblent tête coupée avec des exécutions sommaires, ça veut dire des gens, ils voyaient, touillaient, ou bien ils planifiaient pour tout. Les dernières exécutions, assassinat biblique, politique, semblant exécution, c'est qu'à directeur Académie Police Nationale, là, que nous-mêmes, c'est des groupes dans l'Académie de Police, là, ni dans l'école Police, là, nous avons des très bonnes collaborations avec eux, donc c'est des gens que nous connaissons, donc nous pensons que ce n'est pas un bagage qui nous a mis dans l'insécurité généralisée. Je parle des commissaires divisionnaires. Et là, je pense que c'est une légèreté, beaucoup de recommandements de la police, là. Le fait que l'institution qui a formé cadre dans la police, là, il y a même pas en sécurité. Ça veut dire que si les policiers qui ont haut niveau n'ont pas en sécurité, qui s'est passé avec les agents qui ont passé dans les zones de Kouaname, qui est très loin de la capitale, qui s'est passé dans les zones de Fonverret, qui n'a pas accès pour l'État. Et là, nous croyons son négligence des recommandements, pas de directeur général là seulement, parce que zone académie est infréquentable. Chaque jour, il y a un braquage là-dedans, chaque jour, il y a un cas assassinat. Bon, je dis un peu de ne pas parler là, nous signalons déjà des cas de braquage, mais nous ne pouvons pas signaler un cas assassinat, mais peut-être après un jour, c'est probablement. Ah bien, ça veut dire on académie police, on école police, son côté la policier, c'est la caille policier, ces zones de boulades, on t'a supposé sans dessous, puis en sécurité. Vous devez mettre accent sur ça, mais ça c'est un cas emblématique. Il y a plusieurs cas côté des personnalités qui ont assassiné les grands jeunes et nous croyons que c'est des assassinats politiques, dont le cas monsieur Émile Maquette qui a dirigé Maquette ça depuis longtemps. Donc nous pensons que ce n'est pas une tentative kidnapping comme ça, mais c'est un assassinat planifié. Toujours avec Anton Almortimé, collectif Défenseur Plus, Croé, MN, Iclela, question de sécurité, affaires gouvernement Alain Rian qui est refusé résoudre problème. Et ce qui a fait tout le temps, ça a fait tout le temps, il voulait faire là en payant. Anton Almortimé, il a même rappelé si à l'accord 11 septembre, il a fait qu'on ait pris le pouvoir pour 36 mois. La population n'a pas levé campé, on n'est pas changé en de payant. Parole Anton Almortimé. Maintenant, situation ça, il vient colter avec une crise politique et dans la vie dit. Moun ki acteurs politiques, surtout moun ki dans le gouvernement, question assassinat, question violence, insécurité, mais fait affaire par eux. Donc même les yo même qui placé pour résoudre le problème insécurité, résoudre le problème violence, mais comme il y a un élément dans la question violence qui favorise eux, ça favorise eux, rester sous pouvoir, parce que si pas de violence, probablement tu as une revendication pour une élection qui fait dans le pays. Parce qu'un pays dit le souverain, c'est seulement à travers les élections démocratiques. Côté peuple haïtien, partager souveraineté pays, ou bien souveraineté populaire, hein, trois pouvoirs qu'elle délégue, ben, trois pouvoirs, ou bien mettre de l'autre monde. Donc là, nous n'avons pas le Parlement qui fait exercer souveraineté, hein, qui veut dire nous, pas semblant un pays démocratique. Nous n'avons pas un président élu, nous n'avons pas un ministre
qui nommé, nous pas gagné ambassadeur qui nommé, nous pas gagné directeur général qui a ratifié par parlement. Donc son pays qui a fonctionné en dehors de normes démocratiques et constitutionnelles. Et ça me veut dire dans ça, je ne veux pas le dire gouvernement à la parlementaire en sécurité, mais situation en bon pour lui, il profite de ça, et c'est ça qui fait le baguette pièce. Intérêt, si population en parle les campés, secteur démocratique, l'on parle de ceux qui collent, on parle de secteur démocratique, l'on parle de monde qui croit démocratie, on va parler de monde qui ont marché jour et dans la région pour qu'ils ont même tout à le faire comme le pouvoir. Si le gouvernement lui-même n'est pas alimenté les questions, probablement il y a des gens qui ont alimenté à la solde, qui ont alimenté pour les situations qui ont pérennisé. Parce que depuis l'air, Ariel est arrivé sous pouvoir. Les gens qui sont dans la coalition en septembre ont dit qu'ils n'ont pas pouvoir pour 36 mois. Je dis à l'heure qu'ils ont gagné 16, ils n'ont pas gagné 17 mois. Donc, sans doute, il y a tant de fonds 14 mois encore, ils ont parlé, organisé la sécurité du pays pour que les gens valent l'élection. Nous-mêmes, nous dénonçons ça, parce que nous-mêmes, nous pensons que la Constitution dit clairement Haïti son république et son république démocratique. Deuxième élément, le gouvernement va montrer qu'il a gagné puis il y a souci pour la vie, ni qui dans le pays, ni qui à l'étranger. Nous avons toujours été avec Antonal Motimé qui fait connaître la faiblesse de la police. C'est une compliquée situation justice là, côté la police. Pas de capacité pour faire travail qui s'est arrêté bandit pour la justice. Antonal Motimé, pour comme exemple, la police s'est arrêté un bandit semaine passée à Sochon Mass. Il y a pile pression politique qui a fait pour sanctionner les policiers. Défense a plus capé presque tout paquet dans la juridiction en pays, pas marché dans le pays. Devant la situation, sa population plus sous fait vengeance populaire au lieu d'aller dans la justice en côté Antonal Motimé. Et puis pour finir, on a parlé de question de justice. Et question de justice en Haïti, nous ne sommes pas capables de parler de l'État. Parce que pour gagner justice, il faut qu'on gagne la police comme bras armé qui est auxiliaire de la justice. Aujourd'hui, la police n'a pas de descendants. Pas de descendants, la police a moins de matériel pour le travail et la police vient gagner plus de gang pour le contrecarrer. Environ 200 groupe gang qui identifie ce territoire. Il y a deux ans, il était 1976, donc on y a le passé à environ 200. Donc, comme la police n'a pas gagné un peu de moyens, un paquet de policiers tout, qui ont même paix représailles politiques. Parce que nous connaissons qu'il y a des policiers carrément qui ont arrêté des bandits ou bien qui ont des bandits tombés dans l'échange avec la police. Et puis, le gouvernement a demandé l'inspection générale pour sanctionner. Et dernier en date, c'est un bandit dans la zone canarien qui est allé au ministère intérieur pour la laisser voir la télévision, pour le calmer, pour nous regarder le match dans la Cali. Et puis comme la police a cherché, la police semblait stopper. Et il y a une grosse pression politique à faire pour sanctionner les policiers, alors que la police a cherché monsieur déjà. C'est pour montrer comment le contexte politique là entravé le travail de la police en plus de cas assassinats. Bon, l'autre élément dans la question de justice, je dis là, pendant nos chita là, il y a près de 5 paquets sous 18 juridictions, pas un commissaire gouvernement qui travaille. Le tribunal civil, beaucoup de paquets, ça, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de juge instructeur, ça n'a pas fait rien, parce que c'est comme si son pays qui bloquait, et l'autre pays bloqué comme ça, mon Dieu, plus intéressé à faire vengeance populaire, qui a la justice qui va marcher. Mais entre-temps, le juge continue à toucher l'argent, le commissaire continue à toucher l'argent, il y a 4 téléphones, il y a 4 assurances, il y a chacun 2 à 4 policiers qui ont marché avec eux. Donc, comme si les ressources payées à gaspiller dans nos séries de fonctionnaires qui ne peuvent pas venir l'eau ni les gens, qui ne peuvent pas régler rien pour payer. Et c'est dans ce sens-là. La population de Kone, je dis, les bandits ont terrorisé, il y a des gens dans la police qui sont responsables de ça, il y a des gens dans la justice qui sont responsables de ça, tout. Surtout des commissaires gouvernement qui ont blagué mon corps, surtout des juges instructeurs qui ont même pas mal travaillé, ou bien ils n'ont pas pression politique pour libérer une série de présumés criminels. Donc, et si question ça, par mon côté, la justice commence à fonctionner, par une vengeance populaire, de temps en temps, chaque grand événement, ces populations qui peuvent faire tête de justice, et c'est pas une très mauvaise image au pays. L'autre dossier dans le journal là, il y a autorité haïtienne qui célébrait hier jeudi en journée mondiale SIDA, qui a célébré un baptême pour son vers l'égalité.
Yon se bon ki déroulé dans l'hôtel nan Petroville pour le ministère Ariel Henry. Il était un plus effort pour faire encore pour éliminer l'épidémie ça dans monde là. Il y a 154 000 monde qui vivent à Haïti qui donc moitié infecté dans Caraïbes là à vivre en Haïti d'après Ariel Henry qui fait qu'on épidémie ça touché plus monde qui n'a fait pas bon yo. Et pour le ministère m'a dit tout le monde mette main ensemble pour combattre pauvreté avec stigmatisation qui facilité pour capable éliminer sida dans la région côté Ariel Henry. En dépit des progrès observés dans le soulagement de cette maladie qui a traversé plusieurs décennies, il reste encore beaucoup à faire. Les expérimentations scientifiques se multiplient et sont très prometteuses. Et l'espoir guette encore nos pas. Aujourd'hui, les indicateurs ne sont pas encore parvenus à un niveau souhaité, mais nous avons un relatif succès qui constitue un encouragement certain dans la prise en charge des malades. Il nous faut découpler nos efforts pour qu'ensemble nous arrivions à vaincre. Dans l'année 2021, femmes actifiées étaient représentées 49% dans le monde qui a fait attraper le virus. Sur 38,4 millions de monde qui vivent avec le virus, il y a 25,6 millions qui vivent sur le continent africain, ça qui représentait environ 67% caillou. Puis près nous, dans les Caraïbes, parmi 330 millions de monde qui sont infectés, il y a environ 154 000 naïo qui vivent dans le pays non Haïti. D'après les chiffres, environ moitié de monde qui est infecté dans les Caraïbes à vivre en Haïti. Les chiffres montrent deux bagailles. D'un côté, quand il y a des femmes actifiées, le virus là atteint. Yon l'autre bord, jeune monde qui n'a affaire pas bon, axilayo qui pi fait dans la population, il y a plus de chance pour attraper le virus là. Parce que dans la région sa yo, dans sa qui vient pour voir, à développement monde, index d'eau faible en pile. Les effets de la pauvreté sont donc dévastateurs, alimentant subséquemment la violence, la prostitution, la promiscuité, l'exclusion, l'auto-stigmatisation, l'exploitation, etc. Cette pauvreté et ces colères que nous avons décrites ne sont pas une fatalité. Ministre Santé publique et la population, qui c'est Dr. Alex Larsen, a rappelé qu'il y a 7000 nouveaux mondes qui sont infectés en Haïti. Malgré nouveaux cas, le ministre Santé, qui c'est Alex Larsen, a rappelé qu'il y a une baissée et non pas d'Haïti. Alex Larsen a remercié tout partenaire international qui a aidé. Il y a une bataille pour aider, il est capable de garder comment, capable exactement éliminer même, éradiquer même question sida dans le pays. En côté, Dr. Alex Larsen, ministre Santé publique et la population. En effet, dans ce contexte assez particulier, il nous faut de l'énergie, du courage et une foi inébranlable en de meilleurs lendemains pour continuer à avancer. L'infection au VIH n'attend pas pour agir et s'étendre inéluctablement. Elle ne connaît ni temps, ni contre-temps, ni troubles politiques. Le slogan retenu cette année, Poussons pour l'égalité, nous invite à évaluer où nous en sommes et ne prendre en compte les inégalités de nos interventions. À cet effet, selon les dernières estimations, la prévalence du VIH s'établit à 1,8% chez les 15-49 ans en 2021. On estime à 4300 les nouvelles infections, parmi lesquelles 590 enfants, soit 13%. Après avoir atteint le niveau de 7000 en 2015, au cours des 5 dernières années, les nouvelles infections ont quand même chuté de 30%. Les estimations décentralisées montrent que la couverture ARV est plus élevé au niveau des arrondissements de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, avec respectivement 96% et 94% de PVDIH recevant le traitement. Ensemble, nous devons ouvrir chez nous. Ouvrir toute barrière, tout sacré péché, nous finissons avec pandémie. Le ministère de la Santé publique décide et toujours faire pour accompagner nous, spécialement dans le nombre de personnels de santé. Nous profitons de l'opportunité qui nous est offerte pour remercier tous nos partenaires, particulièrement FAO, Fonds mondial, ONU-SUDA, les agences des Nations Unies qui n'ont jamais marchandé leur concours pour une meilleure organisation de la réponse au VIH. Merci spécial à tous ceux qui,
au quotidien font preuve de détermination et d'engagement pour préserver les vies, particulièrement ceux des centres de prise en charge des infectés du sida. Le PVDIH, nos autres groupes clés, nous disons qu'ils ont un rôle déterminant à jouer au niveau de la réponse et qu'ils doivent continuer à se renforcer pour de meilleures interventions. Encore une fois, merci à tous pour votre engagement. Nous conclurons avec les mots de la directrice exécutive de l'ONU SIDA. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, impliquons-nous et rappelons-nous que lutter contre les inégalités sera un bénéfice pour toutes et tous. Pour assurer la sécurité et protéger la santé de tout le monde, nous devons œuvrer pour l'égalité.